Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série consacrée à l'Empire byzantin. Nous étions dans une guerre contre la France. Oui, on n'a même plus la capitale. Allez, on y va tout de suite. C'est pour ça que le score de guerre a subitement baissé. Ouais, nous étions en guerre. Nous étions en train d'essayer de... Alors, ce qu'on va faire, on va recruter un nouveau général. Voilà, on va aller au moins là. Dans une guerre de coalition, du coup, contre... Bah, on a déclaré la guerre de... Une guerre de... Alors, c'est quoi le nom exact? C'est prendre la capitale, c'est une guerre de... Écraser la révolution, voilà. Contre nos ennemis. Et du coup, bah, il y a toute la coalition qui s'est mise. Donc, la coalition, c'est quoi? C'est tout ça. Bon. Concrètement, le pire, c'est le Brandebourg. Mais le Brandebourg commence à être très faible, hein. Ils pourront pas continuer longtemps de cette façon. Il y a le Brandebourg, la Scandinavie, la Hollande, bon voilà. Les Mamelouks sont déjà en PLS. Mais on peut pas faire une paix séparée, mis à part aux états pontificaux. Et on pourrait peut-être essayer de sortir, du coup, si je me trompe pas, il y a la Scandinavie qui pourrait être sortir. Oui, qui pourrait être. Qu'on pourrait sortir. Le pape aussi. Bon, on va trier déjà comme ça. Non, on peut pas, on n'a pas le droit. Ok, on n'a pas le droit de trier, ok. C'est pas sympa. Sienne, mais Sienne n'est plus en Italie, ok. Ouais, le pape, ouais. On pourra en sortir certains. Ok. Bon, là, on va exploser. Bon, là, ça devrait bien se passer. Gain de... Oh, magnifique, merci Autriche. Merci beaucoup. Je t'aime. Ok. Parfait. Là, rouleau compresseur, on va retourner à Liège pour les exploser. Là, ici, pour l'instant, ça se passe. Là, qu'est-ce qu'ils foutent? Alors, ce que je vais faire, comme on paye pas, on va essayer de les poursuivre jusqu'aux confins de la galaxie. Voilà, vous allez là, c'est parfait. On y arrive. Voilà, là, on va les attraper. Bon, on va attraper qu'un cas, mais un cas qui va nous augmenter le score de guerre. Voilà, vous êtes où? Vous êtes là? Parfait. On arrive. Vous allez aller là, très bien, allez, go. On a remporté le siège d'Armor, voilà, on est déjà à 40%, c'est très bien, on va exploser ça maintenant. Notre flotte qui a pris un peu cher, on va la ramener au port hein, quand même. Ici, pour éviter de perdre le siège, on va faire ça. Bon, je pense qu'on les a vachement calmés quand même. On va aller ici. On va aller ici à Nassau. Je pense qu'ils sont en train un peu de rentrer à la maison, là. Ouais, mais on n'arrivera jamais à les avoir, c'est pénible. Bon, on va reprendre leur capitale, hein, parce qu'on peut le faire. Bon, rouleau compresseur, va là. Toi, va là. Je vais l'appeler à l'armée rouleau. On prend que de l'attrition, mais on a beaucoup, et puis... Voilà... On a combien de... Voilà, vous avez vu combien on en a? Magnifique. Donc là, ça va être très compliqué pour eux, parce qu'on va essayer de les attraper. Ouh, si on peut choper le Brandebourg. Oui, non, dommage. Toi, la S. Ah, alors là, ça, ce serait royal. Mais je crois pas qu'on puisse t'avoir, hélas. Tu vas aller à Nassau. Alors, qui veut passer? Oui, passe, c'est pas mon problème. Passe, c'est pas mon problème. Non, on peut pas. C'est la S qui pose problème. C'est pas grave. Vienne est toujours... Ouais, ça a l'air d'aller pour le moment. Bon, ici, on va reprendre ce siège rapidement. Là, on va reprendre le Maine. Là, notre flotte est en train d'être réparée. C'est très bien. On a perdu pas spécialement de bateau. C'est très bien. On va voir ce qu'on peut dégommer ici. Ah, ils sont rapides, les bougres. Bon, voilà. On a récupéré ça. C'est très bien. Maintenant, on va retourner ici avec notre armée. Rouleau compresseur, c'est parfait. Est-ce qu'on peut aller au Brandebourg? Non. Ah, on pourrait, parce que leur capitale, c'est bien ça. Ouais, alors qu'est-ce qui bloque? Eh ben, on va aller ici. Ce qui me va très bien. Voilà. Là, l'Autriche est en train d'un peu de reprendre, c'est parfait. Je pense qu'il y en a qui commencent à être faibles, hein, genre, bon... Avec la chapelle. Ouais, le Brandebourg va être très faible, c'est très bien.
Là, on explose les bateaux ennemis. Bon, par contre, on n'a pas de commandant. Moins un d'agitation dans le pays. Ou un... Non, on va prendre moins un d'agitation dans le pays. Ça sera très préférable. Voilà. Alors, par contre, je crois que... Ouais, j'aimerais bien le faire évoluer, lui, quand même. Mais bon, c'est pas possible. On va prendre un siège, c'est très bien. Bon, là, on est peut-être un poil beaucoup, quand même. On va prendre... On va aller ici, au Palatinat. Ça leur fera les pieds. Ici, on va voir ce qu'on peut dégommer. Voilà. Alors, ce que j'aimerais bien... Mon explication, c'est ça. Ouais, c'est bon, t'as déjà un commandant, parfait. Bonjour. Son liège est très téméraire. Waouh, c'est impressionnant. Mais... Ouais, on a perdu pas mal de troupes. Et là, non, on peut pas. Alors, là, on va pouvoir... Non, on peut pas. Ah, bon, Utrecht, ça va prendre trop de temps, quoi. On va se mettre là, en Scandinavie. Je pense que ça va leur faire très mal. Ah, on a pris le siège. Et là, je pense qu'on peut directement aller à Berlin. Voilà, on va aller à Berlin et je pense que ça va résoudre pas mal de problèmes qu'on a. On va aller ici. Là, ici, on va aller là. Parfait. De l'autre côté, ça se passe comment? Bon, rien de particulier. Les Mamelouks. Ouais, bon, on va reprendre le siège, amusez-vous. Ah! Bien, ça. Ouais, dis bonjour. Toi, Mamelouk, va là-bas. Ok, ok, on a gagné. On a pris un siège, ok. Ulm, t'es en guerre contre nous. Eh bah, t'as fait l'erreur. Voilà, Berlin va brûler. On a emporté le siège de Touraine, très bien. On va retourner à Trèves. Là, on va essayer de choper l'armée. Alors, tu vas là. Oh, c'est parfait, ça. Vache! C'est quoi ce mec qui se téléporte, quoi? On va porter le siège du Trèche, c'est parfait. Et là, normalement... Ah, on a mal calculé, hélas. Mais on peut dégommer la flotte ennemie. Ça, c'est bon. Breda, c'est pas ennemi à nous. Ça? Non, il faudrait qu'on transporte. Ah, on a remporté le siège du Brandebourg, parfait. Bon, là, on va faire un petit tour pour voir comment ça se passe. Ta-t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 a. Voilà. Tu reviens à la maison et tu dégommes ce que tu peux. Bon, ouais, les gars se sont téléportés à la vitesse de la lumière. Je sais pas comment ils ont fait, les gars. Encore un mystère. Bon, ici, ça se passe pas trop mal. Bon, est-ce que là, ça passerait, du coup, ou pas? Ah, c'est presque possible. C'est génial. Ça nous ferait plein de... Ouais, voilà. Je comprends pas pourquoi ça nous en ferait autant même. Bah on aurait de la surexpansion, écoutez, hein, c'est tout. Hein. De toute façon on n'a pas le choix au bout d'un moment. Ah, alors par contre. Là on va jouer optimisé, hein, c'est-à-dire on va pas chercher à casser des alliances, machin, bidule, truc. On va vraiment rouler dessus pour rouler dessus quoi. Voilà, ça. Trèves, bonjour, au revoir. Là, toi tu vas où? Tu vas là? Eh ben c'est parfait, on va t'y rejoindre. Ulm, bonjour. Ah, c'est dommage ça. Bon, ça c'est très bien, parce qu'on peut les exploser, puisque ici ce sont des montagnes. Alors, ouais, ça devrait le faire. Allez. Mais le gars là, il a combien de manœuvres, quoi? Bon, ce sont des montagnes, les gars, hein. Vous pourrez pas faire grand chose théoriquement. Voilà. On retourne en arrière. Bon, sens ça va. Est-ce que là maintenant cette guerre peut se terminer? Ouais, elle peut se terminer. Ouais, mais un peu d'argent, moi j'aime bien l'idée. Après, idéalement, on pourrait écraser la révolution, faudrait... Ouais, voilà. Pas que ça à faire. On pourrait faire ça, voilà. Le score de guerre peut encore évoluer ou pas? On peut prendre encore 2-3 petites provinces et puis les provinces qui sont en train de tomber, on est en train de piller, c'est... je pense que c'est envisageable quand même. Allez, on va voir ce que ça donne. On a pris le siège, parfait, on va aller là.
On va exploser le Brandebourg. Là, si on peut dégommer la flotte ennemie, on va le faire. Ah. Mais c'est quoi ces mecs? Bon, je sais qu'on a 100k, les gars. 120k, mais bon. On se calme au bout d'un moment. Voilà. Voilà, on dégomme ça. Ni coucou. Ça fait augmenter le score de guerre. Voilà. Alors, ce qu'on peut... Bon. Là, ça passe et on peut gratter un peu plus. Voilà, comme quoi, c'était bien d'attendre. Ça va nous rembourser un emprunt. Ok, bah on fait ça. On fait ça. On récupère tout ça. La France s'est pliée. On a toutes les provinces de France. On vérifie, bien évidemment. C'est la carte des régions. Donc, il nous faut Calais, etc. Cambrai. J'aurais bien voulu cliquer. Bon, ok, c'est pas possible. Oh. Ah, ça c'est la France maintenant, la Wallonie? Non. Bon, attendez. Attendez. Parce que ça a peut-être changé, mais... Non, ça c'est la carte des cultures, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ouais, il nous faut ça, ça et ça. Et du coup, si on reclique proprement dessus... Non. Il y a maintenant... Hop, hop. Pour moi, c'est bon. On prend toutes les... Artois, Rethel, Calais, Non, pour moi c'est bon. Parfait. Donc on peut faire ça. Ça nous va nous faire énormément de surexpansion. Mais bon, c'est pas grave. Les points, on les aura presque. C'est pas grave. Au moins... Le prestige, l'Autriche gagne 270 en démonstration de force. C'est abusé. Non, mais c'est bien de faire ça. Et je sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre, mais ça va nous coûter relativement cher. Déjà. On pourrait baisser. De toute façon, la France ne sera plus rien. Après, idéalement, c'est vrai, si on prend ça, ça nous fait déjà un objectif complémentaire. Ça nous fait déjà Zélande. Voilà, on prend Zélande. Bon, après, ça explose comme c'est pas permis, mais... Après, oui, c'est si on fait les trucs chauds... C'est juste, on fonce. De toute façon, on va avoir de la surexpansion, c'est un fait. Voilà. On pourrait tanker un peu plus longtemps, ouais. On va faire durer la guerre un peu plus longtemps. Allez. On est comme ça. On va faire durer un peu plus longtemps la guerre. On va prendre ce fort-là, je pense que ça va régler le problème. Est-ce que là, on peut dégommer des troupes? Ouais, là, genre ça, c'est bien. Voilà, ça c'est bien, là on peut prendre le siège, là ils sont en train de reprendre des troupes, c'est parfait. Bon là on a... la pauvre région de Trèves est totalement violée, c'est beau. Voilà, 61% du coup, ça passe pas encore. Oh, ça va bientôt passer. Comme ça, ça nous libère d'une guerre, on a perdu le siège. Ouais, d'accord. Le branle. Ah, ça par contre, ça peut être très intéressant. C'est quoi? Ce sont des montagnes ici, ouais. Et on va prendre l'un de nos meilleurs généraux qui est disponible pour bien leur rouler dessus une bonne fois pour toutes. Voilà. Oh, le Brandebourg qui réplique, ça fait mal, ça peut me faire très mal. Aïe, aïe, j'ai pas envie de perdre cette bataille, pitié. Non, c'est bon, ça devrait passer. On va perdre 5 de professionnalisme, on a... Allez, rejoignez-nous les gars. Voilà, on a remporté un siège et on a gagné une bataille. Parfait. Bon, maintenant je pense que la guerre devrait être pliée. Voilà, parfait. Et on peut même récupérer un peu de caillasse. Non, pas de caillasse. Bon, on fait ça. Pas besoin de l'Alsace, hein, c'est les provinces de France, hein, je précise. Ça c'est la Haute-Rhénanie. Et tout ça, ça fait partie de la province de France. Très bien. Lady ici, l'utilité, pas du tout. Merci. Voilà, on fait ça, on récupère Zélande parce que c'était l'un de nos objectifs, et après on verra pour la cosmétique. Bon, voilà, ça sert à rien d'attendre, en plus, donc on fait tout ça. Ça nous fait, oui, une coalition, ça nous fait plein de prestige, ça c'est cool. Bah go, on fait ça tout de suite. Ou on attend encore un peu, mais de toute façon... Bon, allez, on fait ça tout de suite, basta,
on termine la guerre. J'espère ne rien oublier. Je pense pas qu'il y en ait qui soient. Le Hainaut, on est bien d'accord, ça fait pas partie de la région de France. Hein. Ça, c'est typique. Non, voilà. Il y a ça. Voilà, on est bien d'accord. Et le Luxembourg non plus. Non. Ok. Parfait. Donc on fait tout ça, on récupère plein de trucs. Et parfait. Et au pire, on redéclarera la guerre contre la France pour la contre-révolution. Bon, voilà, je pense pas qu'on puisse faire mieux. Bon, ça nous fait un risque de coalition, mais personne nous aime, donc de base. Voilà. Bon, bah go, merci beaucoup. Hop! Ça donne quoi? Ça donne que c'est joli. Alors oui, bien sûr, c'est possible, c'est envisageable d'avoir autant de surexpansion. On est quand même à moins 18, hein. Bah, c'est pas encore recalculé. Ça nous donne quoi en... Bon, c'est pas encore recalculé. Surexpansion. Allez, on légitime les trucs les plus chers. On ne pourra pas le tout légitimer, théoriquement. Il va nous en manquer. Voilà, il nous en manque un. On pourrait demander au clerc de nous filer un petit coup de patte. Comme ça. Bon, après vous faites la gueule, maintenant vous la faites plus. Voilà. Comme ça, on n'attend pas. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et ça nous donne quoi, on s... Ça va! Ça va, franchement. Faut arrêter les conneries. Voilà. La France, c'est réglé. L'Espagne. Ma chère Espagne. Alors, bien évidemment. Il va falloir neutraliser des rebelles, hein, bien évidemment. Allez, hop. Or, toi, tu peux te diviser. On stack de 60. Bon, allez. Je prends l'idée. Hop là. Parfait. Comme ça, là, on reprend le truc. Et qui... Ah, Ming! Eh ben voilà, là, ça nous fait un rival. Ming, mon cher Ming. Est-ce que je pourrais te faire quelque chose qui me plairait comme... Alors, on n'a pas de... Machin. Alors, Scandinavie. Non, Brandebourg, tiens. Qu'est-ce qu'on pourrait te faire pour t'embêter un peu? On pourrait corrompre tes fonctionnaires. Ouais. Corrompre tes fonctionnaires. Voilà. Apprendra. Voilà, très bien. Bon, maintenant il faut. Ouais, on connaît plus le truc, ouais. Et là maintenant ça fait très très mal. Parce que, du coup, on a combien en surex? Oh, vous voyez, là c'est bon. Ça passe. Moins un. Même dans le dans un monde idyllique, ça aurait pu ne pas arriver. Ok, parfait. On a une corruption hausse. Là, ça va faire très mal. Hein. Voilà, c'était prévisible. Hein. On va peut-être pas lutter comme des bourrins contre la corruption, on va se calmer un peu. La marine. T'as gagné le droit de te reposer. Ensuite. Ouais, on prend beaucoup d'attrition là par contre. Hein. On va se diviser. Bah tu sais quoi? Toi, tu vas rester ici. Toi, le général, tu restes là, tu bouges pas. Ah, toi, tu peux pas bouger. Eh bah tu vas aller là. Ok? Ça sert à rien qu'on reste à 80K ici. Voilà, l'Autriche, merci beaucoup en tout cas. Par contre, ouais. C'est les forteresses aussi. Hein. Puis oui, bon. Sur expansion qui fait que. Agitation dans le pays, stabilité. Non, je comprends pas. C'est trop bizarre. Je vois bien que la lutte contre la corruption, ok, mais bon. On peut faire ça pour éviter. Bon, chaque année, voilà, bon, elle descendra après naturellement. Non, Kiev, non. Kiev est en train de se dire, ah ouais, quand même. Alors par contre, Ming, on va te... Pour faire monter un peu notre démonstration de force, on va tout trajet. Je sais plus où c'était. On va purger la dette, hein, faut pas rêver. On peut devenir tributaire, non merci. Amélioration des moyens, proposer une compagnie. C'était envoyer des insultes. Menacer de guerre, réclamer le trône. Ah mince, c'est où? Faire un don. Attendez. Imposer la paix. Envoyer des insultes. Soutenir des rebelles. Semer la discorde. Engager un calomnier et marchand. Non. Imposer un baron. Voler des cartes. Ok, accès. Grande puits. Il n'y a pas? Alors je suis sûr qu'il est en face de moi et je le vois pas, mais... Ah, non, non.
Non. Non. Non. Non. Oui, d'accord. Ah oui, je suis... Oh, je suis stupide, c'est pas possible. Mais de toute façon, ils nous aiment pas, donc... Hein? Voilà. Ça, on gagne un de plus dans chaque puissance. Voilà. Et là où ça risque de péter? Ça avance à quel niveau? Ouais, ok, ça va péter bientôt. 184! Ok, les gars. On se met tous à Paris. Ok. On se met vraiment tous à Paris et là, tu te mets à Brie. Voilà, tu vas prendre un peu de fromage. Bon, les Mamelouks seront plus qu'un lointain souvenir bientôt. Espagne, ma chère Espagne. Brandebourg, tiens, on pourrait faire un autre truc contre... Non, on va abandonner, ça sert pas à grand chose. Voilà. Ça augmente à quelle vitesse? J'ai même pas regardé. Ouais, dans 6 mois. Normandie, 20... 183k, mais c'est énorme, quoi. C'est putain d'énorme, quoi. Vous savez quoi? Quitte à ce que ça pète, autant que ça nous donne de l'autonomie, vous êtes pas d'accord? Ah! Pourquoi? Ah, parce qu'on n'a pas 100%. Ok. Donc ça sert à rien. Bon. C'est parfait, on va attendre comme ça. On va se mettre comme ça, quitte à prendre de l'attrition comme des Mongols, mais on n'a pas le choix. On pourrait ceci dit créer peut-être un dépôt. On peut tenir à combien là-dessus? Ouais, on peut faire un dépôt. Allez, go. Non, ça passe pas, malgré qu'il y ait le dépôt. C'est absurde. J'avais payé 50 points dans le vent. Bon. France, ça va péter. Normandie, ça va péter. Bourgogne, ça va péter. Bon, on se mettra en position. Et là, ce qu'on voulait faire... Alors déjà, chère Scandinavie. En fait, je pense que c'est mon portable qui bug. Bon. J'ai pas le chrono... J'ai cliqué, j'ai vu le chrono se met, mais je crois qu'il se met en veille, le truc se reset. Je pense. Bon, bref. Désolé pour ça. On va corrompre les fonctionnaires. Voilà, par principe. Bon, casse-toi. Réseau d'espionnage en Hispanie. Voilà. T'es allié à qui? D'accord, personne, personne. Et le Portugal, t'es allié à personne aussi. Ok, donc potentiellement une double guerre par la suite. Bon, il faut... Bon, on est déjà à 20%, hein, ça va tomber rapidement. Je m'attendais vraiment à pire. On est vraiment pire. Alors on a les troupes là. Tu peux revenir ici mon ami. On a d'autres troupes qui sont Black Flag. Ah oui, celle-ci, je l'avais oublié. Eh bah tu vas mon ami. Voilà. Oh crève. Franchement crève. Bon, c'est bien, vous voyez, en l'espace de 3 ans, on a bouffé la France. L'Espagne, ça va prendre un peu, peut-être un peu plus de temps, mais je pense que c'est digérable. Totalement. Tout en sachant qu'il nous faut, pour former l'Empire romain, encore une fois, c'est... Tac, viens par là, toi. Voilà. Triomphe pour l'Italie, on attendra pour ça. Triomphe pour les Bacons, restaurer l'Empire romain. Voilà, il nous faut Fès, il nous faut l'Ibérique, et il nous faut deux provinces. Voilà. Bon, et après, il nous manque les îles de la Méditerranée. Et il ne faut pas les îles de machin. Voilà, ok. Très bien. C'est totalement gérable. Et après, on pourra s'amuser à faire de belles frontières. Bon, tu sais quoi? J'ai pas envie de prendre de l'attrition. Tu te mets comme ça, ok? Ah oui, quand même. Ouais, bah là, oui, forcément. Bourgogne, ça va péter. Ok. On va se mettre en Dijonais. Ça pètera à combien? 34k. Ouais, bah, c'est bon. À 60, ça passe. Voilà. Après on a une corruption qui est relative. Ouais, 30, ça va. Je la mets pas parce que j'ai pas envie de prendre un énième emprunt. Surtout que là on est déjà à 34%, 35%. Bon, ah oui, après il y aura l'Autriche, oui. Bon, l'Autriche. Charolais. Hop, dis coucou. Général, bam, bonjour. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a la France qui va péter, genre tout de suite. Hop. Donc celui qui est à Paris, parce que c'est là où ça va péter, tu te re-téléportes. Non, tu vas prendre lui, tiens. Ok, donc l'Autriche, t'es allié à qui? Lituanie, Brandebourg, Silésie, Wittenberg. Ouais, on va casser l'alliance avec l'Autriche, je pense. De toute
toute façon, là, si on attaque l'Espagne, l'Autriche ne viendrait pas parce qu'elle a des dettes colossales. Donc on va plus s'allier à l'Autriche. Donc on va rompre l'alliance avec l'Autriche. Alors briser les liens royaux, on va attendre. On va rompre l'alliance, dissoudre l'alliance. Voilà. Merci beaucoup. On va s'allier. Alors du coup, ça sera en guerre avec le Brandebourg quand même. Hein. Sauf si le Brandebourg. Non, bah c'est pas grave, c'est pas grave, on aura de quoi faire. T'es allié quoi? Voilà, t'es juste allié avec le Brandebourg et machin. Vu notre réseau de forts, on pourra résister aisément. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Perte de 100 ducats. Vas-y, on prend le truc. Ah, ouais, 15 en légitimité, soit. Et ici, du coup, on gagne combien? On gagne 15, hein. On gagne 15, ouais, c'est pas mal. On pourrait protéger le commerce pour gagner plus, mais c'est pas mal. Bon, on a contracté un nouvel emprunt, hein, comme d'hab. C'est une habitude chez nous. Pour améliorer des bateaux. Bon, allez, on va en profiter. Bon, il faut que ça pète. La France révolutionnaire, ça va péter, genre, tout de suite. Non, pas encore. Non. Bon, ça va, je m'attendais à pire. Vraiment à pire. On fait un petit réseau d'espionnage chez les Espagnols. Ça leur fera les pieds. Il faut juste pas qu'ils s'allient à d'autres personnes. Pour l'instant, ça va. On pourrait même redéclarer... Voilà. Les Bretons sont intervenus. Wow. H. Ça, c'est de l'armée. Bon, allez. On va y aller comme ça. De toute façon, on pourra pas... L'idée, c'est au moins de faire ça. Ça. Ça, ça, ça. Après tu vas là. Bon, ça va, je veux dire. On baisse à peine en morale. On prend le petit tic de morale qui va bien. Ah, le Cotentin a pété par contre. Ça, ça m'ennuie un peu plus parce que j'ai pas envie que... Voilà. Ça passe, c'est super. Ensuite, c'est quoi qui pète? La Hollande, on sera dessus, c'est parfait. Voilà. Là, on va attendre un petit coup, quand même, hein, de récupérer un peu. Alors, par contre, là, ça sert pas à grand-chose. Voilà. Et là, maintenant, bref, ça nous fera un gros morceau, l'Autriche. Hein. Il nous faut... Il nous faut quoi, concrètement? C'est jouable, hein. On a tellement de trous. Là, j'ai même pas regardé, mais... Ça nous donne quoi? Ouais, on peut refaire encore un stack, quoi. Et surtout que l'Autriche doit avoir quelques dettes, quoi. On est en trêve jusqu'à quand avec l'Autriche? Ouais, tu nous aimes bien, c'est bien, mais nous on veut ton truc. Avec Byzance en 58, en 5 ans. Ouais. Donc en fait, ça va être jouable bientôt, quoi. Pff, la Russie, la Galicie, Volny. T'es rival de qui, l'Autriche? La Scandinavie. Eh ben voilà, ça me plaît bien. Scandinavie, franchement. On a des rivaux communs. Opinion scandinave. Eh ben, tu m'étonnes. On va peut-être améliorer la relation avec toi, on va voir ce que ça donne. Parce que Scandinavie, à terme, on s'en fout, quoi. Allez, hop. Là, on peut attendre encore un peu. Là, ici, ça risque de péter, mais on a notre meilleur général en Zélande. On pose pas trop de... Ouais, bah voilà, c'est bien. Bon, allez, on y va comme ça. On y va comme ça. Hop, on n'a pas perdu trop de troupes, hein. On a perdu que 105... que, j'aime bien. Voilà. Pour revenir à Paris, du coup, ça passera bien. On va voir, hein, ça se trouve c'est totalement gérable de bouffer la... De bouffer, de... d'améliorer nos relations avec eux. Et là on va essayer de voir si on peut convertir. De toute façon on est déjà en mode emprunt comme c'est pas permis, donc... foutu pour foutu, hein. Voilà. Après ça se trouve... Ah, on peut prendre une tech. Bon, un diplomate de plus, ouais, pourquoi pas. Ouais, agitation locale en Circassie, ouais, aussi en Circassie ça va péter. Hop, on va aller là. On va voir nos forts aussi. Ah ouais, autant qu'on les refasse. Hein. Bon, ça ici, pff, si, ouais. Bon là, ça m'ennuie que ça soit un boulevard. Ouais. En fait, ça serait ici que ça serait bien d'en mettre un. Ou là, carrément.
En Circassie même, c'est possible ou pas? Genre on retourne l'église, voilà, et on fout un fort. Voilà. Hop, comme ça les empêche qu'ils passent, parce que ça commence à m'agacer. Voilà. Bon là par contre on est un poil nombreux. Eh, franchement, je me souvenais que c'était vraiment pire que ça à une époque. Hein. À une époque quand on a dépassé l'essence, c'était l'explosion nucléaire. Quoi. Là ça passe. Bon bah tant mieux. Hein. On va attendre que ça se termine ça. Et peut-être pour les... Ouais. On a que 32 alors qu'on a tout ça. Hein. C'est... Wow, c'est impressionnant. Gêne, ouais. Je suis sûr qu'on peut... On peut faire mieux, quoi. On peut faire beaucoup mieux. Je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup mieux. Genre... Bon, Séville, on n'a pas beaucoup. Ça sert strictement à rien. Ici, d'accord. Là, ça... Pff. On a 50 pour 58, c'est pas... C'est utile, hein, quand même. Alep. Ils sont l'un dans l'autre, ça arrive chez nous. Donc, est-ce que c'est utile? Non. On a 32% ici, on pourrait presque faire quelque chose comme... Là, c'est très pauvre, ici. On pourrait faire ici, ouais, collecter, parce qu'il y en a quand même 20 qui se ballent. On a 30%, on va faire collecte de revenus, le gars qui a Alep. Ouais, et on va voir ce que ça donne. Je sais pas dans combien de temps t'arriverais, 28 jours, donc il faudra attendre un tout petit peu. On est à 243, pardon. Et ça donne... On va attendre là. Bon, là on va perdre du coup. Il faudra encore attendre le mois prochain. Voyons voir ce que ça donne. Ah, on est gagnant. On est gagnant. En plus de production. Et en plus de ça, on n'en a pas fait des états et tout ce qui s'ensuit, hein. On pourra mettre les bourgeois déjà dans le Finistère, les bourgeois, oui. Oui, on va te donner dans le... Nantes. C'est bon, t'y es, toi t'y es. C'est vrai que je pourrais améliorer... Ah oui, on m'avait dit également d'améliorer les ports. Exemple là, voilà. On pourrait faire ça. C'est vrai que je les ai pas fait. Là, on croule pas sur l'or, on roule pas sur l'or, donc on va peut-être pas le faire tout de suite, mais c'est vrai que ça serait très intéressant de le faire. Ah, ici, oui. Bourgeois. Reims. On peut pas encore le faire. Paris, c'est pas utile, ce qui est absurde. Ici, on va le faire. Bourgeois. Ici ça sert pas encore à grand chose, on n'a pas de puissance. Riazan nous aime pas, eh ben ne nous aime pas. Bordelais, ouais bah ça a pété en bordelais du coup. Ah on peut prendre une aptitude. Pff, ouais, il nous reste plus que ça. Hein. Parce que ça c'est quoi? C'est aspiration de la liberté et pas moins 25 sur les dépendances. Bon, voilà. On va prendre ça. Voilà, parfait. C'est bien, ça va se calmer tout de suite. Ah, Rome, ça a pété aussi. Ah, oui, mais on a plus de... Bah, Rome, voilà. Bon, ceci dit, Rome, ça va péter, oui et non, quoi. Voilà, on a terminé la conversion, très bien. Transoxiane, on s'en fout. Conversion terminée. Là, on va attendre un peu. Hein. C'est... Voilà. Et là, boum, on est à 100. Ta 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 ta. Hop, 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 hop. Donc, Champagne. Un état. Ouais, pas mal. Ça, c'est déjà un état. Ah, où est-ce que c'est le plus utile? Picardie. Ouais. Ouais, Picardie, ça pourrait presque être bien. Pourquoi pas? Ensuite, il y a quoi d'autre? Champagne. Made in. Non, on va faire Champagne. Je pense que c'est très intéressant, la Champagne, étant donné qu'il y a le nœud commercial qui est à Reims. Ah, il faut qu'on légitime. Logique. Hop, 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 hop. Parfait. On met des bourgeois ici.
Hop, plus de puissance dans la zone. Voilà, ensuite, bah on peut plus en faire. Voilà, ça c'est réglé. Bon, il faudra voir pour en mettre ailleurs, hein. Mais bon. On peut, on en aura de nouveaux états avec les techs ou pas? Ouais, on pourra avoir 5 nouveaux états. On n'y est pas encore, mais ouais, c'est très bien. Donc du coup, ici, il va falloir qu'on convertisse. Bon, voilà, on gagne plein d'argent. Donc on va faire tout pour gagner plein d'argent. Bah, pour le dépenser, notre argent, plutôt. Voilà. C'est très bien. On est toujours positif, c'est très bien. On gagne de l'argent, on va quand même construire des choses. Parce que ça fait un bail qu'on a pu construire, quand même. Genre de la prod, c'est très bien. Le Finistère est à nous. L'Espagne veut passer, crève. La Perse est en guerre. Ouais, passe, on a envie. Qui cherche des compagnies? La Perse, ouais, mais je m'en fous. Et là, on se dit, bah, pourquoi pas? Bon, la seule chose qui m'agace, mais réellement, c'est pas l'Espagne, mais... Waouh. Mais non, ça sera l'impérialisme, hein, sans réfléchir. La Provence viendrait, Sienne viendrait, ouais, personne viendrait, quoi. Et nous, il faut qu'on se retrouve aussi des mariages royaux et tout ce qui s'ensuit, hein. Bon, Silésie... Non, qui accepterait de nous épouser? Qui accepterait? Non. Oui. Non. Voilà. Attendez. Je commence à être fatigué, là. J'ai tourné 20... Voilà, option diplomatique, voilà. Qui veut... Qui veut? Mariage. Ah! La Scandinavie. Bah voilà! Ça, c'est une idée. Hop! Mariage royal avec la Scandinavie. De toute façon, on va pas aller jusque-là, hein, concrètement. Mais ça nous sécurise avec le... Comme ça, Brandebourg va se faire bouffer par la Scandinavie, c'est très très bien. Bon, ils sont alliés à l'Angleterre, mais on pourrait les embarquer dans une guerre et attaquer après l'Angleterre. Hein. Conversion terminée, conversion terminée, conversion terminée. Et une petite alliance avec nos amis scandinaves. Voilà, c'est très bien. Conversion, on continue. Hop, hop, hop. Bon, on se calme, hop. Notre diplomate est mort, et ça c'est bien dommage. On va faire celui-ci, pas trop cher. Ulm veut passer. Bon, passe, si tu veux, je m'en fous. Et du coup, la France, elle est où? Parce que... Ah, elle a immigré au Canada. Ah non, même... Ouais. La France est là, quoi. Ouais. Je pense que tes dépendances... ouais. Une petite aspiration à la liberté, quand même. Je pense, hein. Tu dois plus être aussi puissante qu'avant, en France. Ah, si, quand même. Tu dois avoir des provinces ici et là dans le monde, et... Genre, ouais, voilà. Bon. Ça, après, c'est du détail. Bon, on continue de convertir. Et on avait dit, du coup... Ah, on s'est fait repérer. Bon. Tant pis. On va quand même le garder. Oui, Flandre, si tu veux. Donc, du coup, si on décidait d'attaquer le Brandebourg, la Scandinavie ne viendra... Ah, parce qu'elle fait partie du Saint-Empire. Ça, c'est ballot. Ah putain, c'est con ça. Ça c'est vraiment bête. Bon, c'est pas grave, hein. On verra bien ce que ça donnera. Est-ce qu'on a un risque d'union personnelle? Non, ça devrait aller quand même. On va continuer les conversions. Bon là, elle coûte un poil cher quand même, hein, les conversions. Genre celle du main est un peu exorbitante. Waouh, putain, il faudrait vraiment faire un état de ça, hein. Je comprends même pas pourquoi j'en ai pas fait un avant, quoi. On peut pas rétrocéder? Ah, parce qu'il y a... Non, l'état de Picardie, exemple. Non. Faudrait retirer un état, hein, parce que... Genre un état qui ne nous sert pas à grand chose, et... Pourquoi là, on pourrait pas le contrôler par un ordre?
Ouais, Bagdad. Ouais, bah tu sais quoi, Bagdad. Ah, on perd quand? C'est quand même dingue hein, qu'on tire pas autant. Bah, quitte à pas gagner, hein, on va le dire. Voilà, hop. Et du coup, l'État, on le déglingue. Pas grave. Et là, on va en faire un. Là, celui-ci va être magnifique, ouais. Il est beaucoup plus intéressant, celui-ci. Et on va faire un édit d'unité religieuse imposée pour que la pilule passe mieux. C'est déjà mieux. Bon, en Zélande, on peut attendre, hein. Voilà. Non, on va les laisser. Et du coup, on va choisir une nouvelle icône. Hop là. Toujours la même logique. L'armée, l'armée, l'armée. Bah, du coup, celui qui protège le commerce ici n'a vraiment aucun sens. Je préfère que tu protèges le commerce à Bordeaux. Non, c'est même pas rentable. Alexandrie, oui. Crimée, d'accord. Raguse, ouais. Bordeaux, non. Venise, non. Gênes, non. Bah, Alexandrie, alors. Vas-y, protège le commerce à Alexandrie, alors. Ok, bon, bah, bonne nouvelle. Voilà, on continue vite fait les conversions pour que ça se calme une bonne fois pour toutes, cette affaire. Et on va se mettre en... De toute façon, là, c'est bon, on n'a plus de risque de rêve. C'est magnifique. Eh bah, hop. On va dire bonjour aux Espagnols, on va se mettre en position. Voilà, notre flotte qui est ici, on va l'emmener là. Bon, là même, hein. on va pas se le cacher. Port, parfait. Bon, là on va se calmer un tout petit peu peut-être. On gagne beaucoup, ouais, on gagne un peu. Coup déconseillé. Non, on va perdre. Ah, les bourgeois perdent 20, c'est énorme. Les nobles peuvent perdre ou pas. On pourrait faire une donation généreuse. Mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Et les clercs nous casseraient les pieds. Ou autrement, les bourgeois perdent 20. Ouais. Ouais, mais je préfère, limite. Bon, voilà, faites la gueule, au moins vous avez une bonne raison de faire à la gueule. Et peut-être on pourra vous donner... Bon, néanmoins, ils ont perdu quand même moins de... Ah, c'est bien ça. C'est très bien même. Et là, du coup, on pourrait presque redonner des provinces à nos chers bourgeois. Je pense, non? Ou on a déjà tout donné dans le Finistère, à Nantes. Si on collecte beaucoup, ouais, on gagne. Mais pas beaucoup, hein, quand même. Malgré tout ce qu'on a, c'est étonnant. Je comprends pas pourquoi on est si peu, étant donné qu'on possède quasiment tout. Ah, parce que Berne doit être la plus grosse région, tout ça, tout ça. Bon, tant pis. Ah oui, Naples, ça c'est une grossière erreur de ma part. Et un bourgeois, sois content. Là aussi, hein. Bourgeois. Bourgeois. Florence, bourgeois, c'est bon, c'est acté. Ça, c'est pas encore à nous. Voilà. Bon, déjà, ça devrait un peu nous... Bon, là, on va arrêter un peu les conversions. Et on se met en position pour attaquer les méchants. Bah, les méchants, voilà. Bon, là, c'est bon, ça devrait le faire. On attend juste que la flotte arrive, hein. Clairement. Tu veux passer parce que t'es en guerre contre... Oui, passe, c'est gratuit. Voilà. Bon, là, ça coûte un peu cher. C'est beaucoup moins d'argent qu'avec le dernier patch qu'avant. C'est waouh. Alors qu'on est quand même vénère de chez vénère. Voilà. On gagne que 15, hein. C'est vraiment faible. Après, on a des forts qui nous servent strictement à rien. Oui, ça va. C'est des forts de niveau 2. Alors, le fort du Finistère, bon. Voilà, quoi. Hop. Rethel, pourquoi pas, ou d'accord, ok. Il faudra vraiment les améliorer aussi. Et du coup, si on déclare la guerre aux Espagnols, la Scandinavie vient pas, le Portugal ne vient pas. Bon, après, ça c'est une... La Provence viendrait. Ah, on a une trêve et on peut pas. Ok, et l'Écosse, ouais. Bah, vous savez quoi? Impérialisme. Parce que voilà, prendre la capitale qui est Madrid.
Ok. Et bah, on va leur rouler dessus. Voilà. On va juste attendre que la flotte revienne, mais je pense qu'elle est déjà revenue. C'est magnifique. Elle est là. Présente. Et je pense qu'on peut y aller et on va déclarer la guerre tout de suite. Pas de raison. Et le Portugal est défenseur de la foi catholique. Ah bah dis donc qu'ils sont tombés bien, bah les tout catholiques, hein, si c'est le Portugal. Hop, hop. En limite qu'on prenne le 3 de siège, c'est toujours intéressant. Voilà, toi ici, tu vas aller là. Bon, en termes de rapport de force, je pense que l'Espagne ne devrait pas nous poser de problème. Hein. Hop, allié, non, ennemi. Pourquoi ennemi, on voit pas? Bon, on va faire comme ça, Espagne. Espagne, tu es là. Tu as un moral pas mal, pas de discipline, ça va être rigolo. T'as de la réserve. Non, t'as pas de réserve, t'es nul. Et t'as des emprunts ou pas? Oui, t'as taqué d'emprunts et t'es déjà le bordel. Ouais, bon, en fait, ça va être une promenade de santé, quoi. Ce que j'aimerais bien. Voilà, au moins là, on est sécurisé. Parfait. Alors là, t'as quoi? T'as 29 lourds, on en a 60. Ok. La seule chose qu'on n'a pas, c'est ça. Maintenant, on en a un. Maintenant, on va se poser la figure. On va aller directement. On va pas se priver. Hop, hop. Oh, cette violence. Eh ben, on aura gagné deux vaisseaux. Pour le bon côté des choses. On va faire un petit blocus ici, parce que pourquoi pas. On a emporté le siège. Parfait. Ah. Tu es là. T'as pris le siège. Oui, bah on va. Ouais, non, 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 non. Oui, maintenant. Voilà. Et ici, c'est quoi? Ce sont des montagnes. On va peut-être pas attaquer, mais. Par contre, on peut faire ça. Voilà. On avance. On a pris le siège de Burgos. Là, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi il y a des bateaux qui ont décidé de se suicider. Parfait. Bon, là, ce qu'on va faire. On va essayer de jouer comme ça. Hop, hop. Sélectionner l'armée. Tu l'emmènes Anne à Malte. On va prendre directement Madrid. Hein, on va pas se priver. Ici, on va aller à côté. En renfort. Ici, on va aller. Gain de 50 puissance administrative, tant mieux. Voilà, parfait. On va aller là. Là, ça se passe pas trop mal. Il y a la Provence, ouais, on pourrait leur dire bonjour à la Provence. Bien. Donc là, on pourrait prendre d'ores et déjà. On va prendre Fès, hein, parce qu'il nous le faut, Fès. On a pris Madrid, voilà, on a pris leur capitale. Comme ça, il n'y a plus de sujet. Pas malin, ok, très bien. On va aller là maintenant. Toi, à la rigueur, ici, tu peux revenir là. Et on continuera cette guerre au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus les gens.